Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la promotion de l'épisode 2 Wildstar, Wildstar, vous dites comme vous voulez. Nous sommes au niveau du téléporteur, nous allons donc le faire, chers amis. Hop, boum, téléporté. Et nous allons continuer notre petite aventure, en tout cas dans le début de ce jeu. Ok. Retournez voir Artemisine, la voici. Je t'écoute. Il y a tellement plus à apprendre, tellement plus à savoir. As-tu déjà vu quelque chose de plus beau? C'est extraordinaire, bien plus que tout ce que j'avais imaginé. Serre-tête de loyaliste, c'est ce que je vais prendre, ouais. Hop. J'aime les sensations. Mes fans pourront voir tout ça sur ma prochaine vidéo. Présentation au gardien. Parle au gardien, c'est une intelligence artificielle très puissante. Nous allons devoir l'aider à reprendre le contrôle du site si nous voulons remettre la main sur le protocube. Je vais aller le voir immédiatement. Il a dit qu'il t'attendrait. Ah, c'est gentil. Alors voici, oh le casque est tout moche. Alors le casque est tout moche, du coup est-ce qu'on peut aller par exemple dans, pas l'inventaire du compte, le personnage et faire cacher le... On peut pas cacher les... Dommage. J'aurais aimé cacher ce casque tout moche. Ou alors peut-être que c'est dans le... Genre visibilité, non, non. Placement, non. Pas cacher mon casque. Si quelqu'un sait comment on peut cacher son casque dans le jeu, je serais ravi de le savoir, chers amis. Parce que là, pour l'instant, oui, j'aimerais bien le cacher. Hein. Pour la gueule que je me tape, j'aimerais bien le cacher, vous voyez. Bon, bah tant pis. On y va, bonjour gardien. J'attendais ton contact. Tu es le sapiens dont la Cassienne Artemis Zin m'a parlé. Je peux reprendre le contrôle de la station Starcom, mais je vais avoir besoin de ton aide. Si je veux reprendre la station Starcom, je vais avoir besoin de ton aide. Vous pouvez compter sur moi. Tu es de toute évidence un être primitif. Je vais essayer de faire simple. Salaud. Le site a subi d'énormes dégâts et j'ai perdu le contrôle de la station Starcom. Je voudrais que tu effectues les réparations nécessaires pour rétablir mon accès. Je vais m'occuper de ces réparations, pourquoi pas, c'est une caméra. Ta survie, tout sauf garantie. Ok, cool. C'est le téléporteur Eldan qui est au fond. Là, il y a un quartier maître, vendeur de marchandises. Tout est à vendre, sauf le présentoir. Tout réparé. Vendant les déchets. Petite pochette. Bon, ça pourrait être pratique, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop ce que je recherche. Ok, on y va. Hey, hop! Olicia, on y retourne, d'accord. Ouh. Récupérer des cristaux de puissance vestie dans les machines Eldan, d'accord, pourquoi pas. J'ai déjà fait ça, mais bon. Vas-tu mourir? Elle a pas envie, hein. Ok. C'est communication. Réparation automatique. Le problème Nexus, c'est ma top priorité. Je dois lancer les protocoles de dépannage pour activer les réparateurs chargés de la maintenance de la station. Mais ils se trouvent à l'intérieur du centre de sécurité Sigma. Une fois libérés, ils pourront entamer les réparations nécessaires. Je vais activer les machines. Je ne peux pas désactiver ces machines à distance. Dommage. Hop, méfie dans les machines de défense du secteur, elles sont extrêmement dangereuses. Pourquoi pas? Ok, c'est stylé ça. Ok, merci. Il y a un truc bizarre là-bas. Sentinelle turbulente. Ah aussi d'ailleurs. Ok, ok, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous là? Un rayon de la mort. Hop, tu m'auras pas. Bonjour. Dégage.
Boum. C'est fait. Salut copain. Vas-y. Regarde ça. Ah merde, j'avais déjà buté, dommage. Maintenant que tous les trucs réparés, d'accord, panneau de contrôle Eldan. Boum. Activer le premier panneau, libérer le deuxième réparateur. Yo. Ok. Touché. Touché. Et boum. Triple tuerie. Merci à toi. Hop les. J'imagine que les deux autres sont de l'autre côté. Ah ça l'arrête pas, d'accord. Hop les, t'es mort. On y va. Qu'est-ce que c'est? Module de sécurité. Vous ne pouvez pas encore faire ça. D'accord. Réparer les modules de sécurité. Ok, j'imagine que c'est... Ok, on est passé. Oula. Salut l'ami. Parfait. Tout cela se passe assez bien. J'ai la voix qui part encore une fois en couille. Hop, oula. Tu n'as rien à faire là. Ok. Aïe. Ok. Ça c'est fait, merci. Ok. Boum, ça c'est fait. Boum, ça c'est fait aussi, parfait. On y retourne. J'aime beaucoup ce jeu. Ok. C'est par là. Eh ben on y va. Raté. Tu ne m'auras pas. Je te l'ai dit, tu ne m'auras pas. Hop les. Coucou. Parfait. On peut retourner voir le gardien. Oula. Il manquerait presque une vue FPS à ce jeu. J'ai rien dit. Hop là. J'ai rien dit. Bon, elle est pas très vite, elle est pas superbe. Elle mériterait d'être un peu plus haute. C'est en fait comme beaucoup de FPS de MMO, elle se base au niveau du torse, pas au niveau de la tête. Et avec un léger FOV, ce serait super. Le gardien, il est là-bas. Yo. Je t'écoute. Réparation, c'est fait. Et le protocube dans ta tout ça. Tâche est presque finie.
Les réparations que tu as lancées se sont révélées efficaces. J'ai repris le contrôle de la station Starcom ainsi que des machines et les DAN restantes. De rien. La clé de la puissance. Les machines sont restaurées. Voilà. Pour accéder au protocube, il faudra une clé d'accès adaptée. Malheureusement, le sous-niveau où se trouve cette clé est infesté de Skitch. Gants de technicien. C'est dans mes cordes. Tu as déjà gâché de précieuses millisecondes. Mets-toi en route. Compte sur moi. Un MMO qui est vraiment cool, hein, je trouve. Hein. Personnellement, je l'aime beaucoup. Hein. Hop là. Alors, communication. Les tailles de Skitch ont provoqué une sérieuse instabilité dans la structure du niveau 3. Détruis-les et élimine tous les Skitch que tu rencontreras. Je vais m'en occuper. Les menaces organiques doivent être supprimées. Oh, pas toi. D'autres menaces. Je savais qu'il allait faire une remarque sur moi. J'adore ce jeu. Ah, je pensais que ça allait pop, bizarrement. Bon, bizarre. Allons-y. Toujours pas de pop? Marrant ça. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de faire les nettoyages en dessous. Ok. C'est chiant ça, quelqu'un fasse déjà le nettoyage à ma place. Début du défi. Tu veux les skits avant la fin du temps de partie? Ok. Ok, par contre il m'en faudra un peu plus quoi. Ok. Astrol embrouillé d'Esper, pourquoi pas. Là ils sont nombreux. Parfait. Alors là, si j'ai pas une quadruple tuerie, je comprends pas. Hop! C'est pas ce que je voulais faire. Ok. On est qu'à 61%, hein, ça n'avance pas. Tu vas me laisser faire ce que je veux. La maison de Skitch, fille de fabrication Skitch. Si tu veux. Oh d'accord, je vois qu'on plaisante plus avec toi. Ok. Tu fais preuve d'une résistance inattendue. Ok. Survivre jusqu'au bout. J'ai demandé au créateur d'installer une dérogation manuelle. Ah, c'est la voix de Gugalauragran, génial. J'adore. Une solution technologique aussi grossière soit rarement nécessaire. Il serait impardonnable. L'âme concentrée. Les informations déjà. Qui détaillent notre mental d'acier. Ici deviennent totalement armure fantasmatique. À cause d'une catastrophe imprévisible. Bon, faudra que je vois tout ça. Bon, là, j'ai pas le temps. J'ai rien sous les doigts. Défi terminé. Donc c'est bien celui-là, ok. Alors j'ai vu qu'on avait récupéré plusieurs choses. Ça. Pourquoi pas. Celle-ci a l'air mieux. Ok, cool. Oh, mais même le pantalon a l'air cool. Ok, c'est parti. Alors cependant, oui, on a débloqué plein de trucs. J'imagine que ça, c'est le niveau de compte. Statut premium, voilà, inactif. Assembleur d'archétypes. Soutien. Mental d'acier, c'est quoi ça?
Lancement. Rêverie, attendez, un point de psy ou plus, pas de temps. Restant les PV du lanceur. Confère au lanceur un... D'accord. D'accord, non, ça c'est les sorts d'attaque. Ok, ça je capte. Ok, armure fantasmatique. Alors, est-ce que c'est dans l'utilitaire? Non, même pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la touche R? La touche R, est-ce que c'est un sort que je peux améliorer ou pas? Pas du tout. Forme spectrale, ça doit être quelque chose qui doit être... j'imagine. Lié à moi. J'avais des lames avant? Oui, j'imagine que oui. Et les mecs? Double tuerie. Triple tuerie. Moi, j'aimerais bien qu'un jour que tu me dises quadruple tuerie, parce que c'est ce que je fais depuis souvent, hein. Enfin depuis plusieurs fois. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on y va, on progresse. Joueur à proximité, ça par contre ça m'intéresse pas. Où est-ce qu'il est? Là. Alors. Yo. Tu es en état de marche. Les fragments de clés récupérés sur les skits devraient me suffire pour créer une nouvelle clé de duplication, par duplication. Gants de technicien, pourquoi pas. Les fabrications de la clé de remplacement a réussi. Artemisine peut désormais utiliser le panneau de contrôle pour accéder au protocube. Je m'en charge tout de suite. Collecte autant de données que ton intelligence primitive te le permet. Salaud. Hop, il y a tellement plus à prendre. L'accès au savoir. La clé, enfin, c'est le moment que j'attendais. J'en ai tellement rêvé. Bientôt, les connaissances du Nexus seront à moi, moi. Donnons-leur le final de leur rêve. Alors, n'approche pas, Marcus Bonus. Tu risquerais de passer devant mes cambots. C'est l'événement le plus important auquel tu auras jamais l'honneur d'assister. J'espère que ça en valait la peine. Les mystères de Nexus se sont toujours révélés pas. Cambot 1, Cambot 2, vous filmez ça? Citoyens et citoyennes du Dominion, je vous présente le protocube. Entrée acceptée. Démarrage de l'interface du protocube. Classe. Merci de patienter. Je ne suis pas vraiment du genre à rester sans rien. Par les dieux. Tu es... Bouge pas. Menace pour la sécurité détectée. Protocole d'isolation déclenché. Priorité alpha. Merci de patienter. Oula. Comment? Non. J'étais si près. C'était en direct? C'est con. Bah alors, t'étais si près, t'étais trop près. Pèse bien tes mots. Vraiment bien. Je doute que ces maudits exilés aient conscience de l'ampleur des dégâts qu'ils ont causés. Ah, le protocole est perdu, j'étais presque, les exilés ont tout gâché. Que s'il passait? Ils ont probablement repéré nos vaisseaux et décidé qu'on de passer à l'offensive. Partons, nous n'avons plus rien à faire ici. Rends-toi à la tête de pont de Rive Grise et sabote les balises des capsules de largage des exilés pour dégager les routes et nous permettre d'évacuer. Je vais saboter leurs balises, y'a pas de problème. Rien de tel qu'une urgence pour vous donner un bon coup de fouet. Y'a pas de problème. C'est lequel? C'est celui qui est derrière. Il y a un truc ici. Merci. Le protocube est une merveille de technologie. D'accord. L'appareil de stockage doté d'une capacité quasi illimitée et aux algorithmes cryptographiques si avancés qu'ils sont statistiquement impossibles à décoder. Pour tout autre projet, un tel appareil serait totalement plateforme. Ouais, plateforme. Les vastes quantités de données que nous avons compilées dans le cadre du projet Nexus poussent ce protocube jusqu'à ses limites. Il ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Salut. Succès obtenu. D'accord, apparemment j'ai un succès secret. Si seulement j'avais eu le temps d'examiner le contenu du protocube, ne serait-ce qu'un instant. Les méthodes d'Armesine sont discutables. Mais je comprends tout de même son désarroi. Être si près du protocube pour ensuite le perdre, c'est terrible. Bouf. Enfin, un rapport de l'incident a été rédigé. Noyau d'IA Elden. Dans la chambre des énigmes à Ilium. La machine mystérieuse, on apporte ça à l'inspecteur. D'accord, bah pourquoi pas, ça déclenche une quête, c'est cool.
Ici, il y a quoi? Un téléporteur. Pourquoi pas? J'imagine que c'est parce que la porte était refermée derrière moi. Oula! On m'attaque pas, j'espère! Hop! D'accord, ça m'a téléporté là, d'accord. Pas intéressant alors. L'analyste Spectre, il est où l'analyste Spectre? Il est là. Yo! Qu'as-tu découvert? La machine mystérieuse. Un noyau d'IA Eldan, j'en avais encore jamais eu sous les yeux. Tu as bien fait de me l'apporter, je l'étudierai dès mon retour au labo pour le Dominion. Mon euphorie émotionnelle est à son comble. Bah écoute, de rien. Je viens de commencer le jeu, je trouve déjà des quêtes secrètes, c'est cool. Allons-y! Alors. Hop! Je garde un œil sur la durée de l'épisode. Hop! Boum! Plang! Les mercenaires exilés sortent le grand jeu. Et toi? Ah mais c'est pas des tutoriels. Si, c'est des tutoriels ça. Saboter les balises. Non, elle est pas activable. Haha, j'aurais cru pourtant. Allons-y. Utiliser, pourquoi utiliser? C'est Ah d'accord, c'est pour m'asseoir. Chaque fois je me fais avoir. Ça par contre, je veux l'utiliser moi. Soutien d'artillerie. Kevo, salut. Dame Zin est occupée. Des visiteurs importants. Je parle en son nom. Les exilés ont eu vent de notre présence ici. Mais même s'ils nous ont pris au dépourvu, nous ne sommes pas sans défense. Attaque leur ligne et aide-nous à nous frayer un chemin pour évacuer. Je vais massacrer les exilés. Ceux qui se mettent en travers de la route de Dame Zin doivent mourir. Hop là. Fait. Ah, je veux là. Dézingueur exilé. Bouffe. Double tuerie. Hop. C'est un petit peu nombreux ici quand même, hein. Boum! Il y a rien là-dedans! Oh, c'est dégueulasse! Alors! Qu'est-ce que c'est que ça? Saboter! Bah alors? C'est con, hein! Hop! Dégage! Reste couché! Hop, on sabote. Parfait. Ils dorment comme des bestioles. Bouffe. What? Hop, touché. Il en reste un là-bas. Il y a un truc bizarre à côté de lui. T'es qui toi? Tu as des nouvelles pour ma maîtresse? Ça est l'âme du maudit. Je prends. Merci. Que l'honneur et le devoir te guident. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre instable. Étrange. Oh oh! Quel est son droit?
À quoi cela mène-t-il ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce que ceci ? Rien à y faire par là. Est-ce que c'est de l'exploration ? Le fameux truc d'exploration ? Parce que si c'est ça, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Hein. Bon. C'est pas grave, on y va. Hop. Et crac. Double tuerie. Donnez-moi tout. Lit rocher. C'est bizarre aussi. Hop. Voilà. Du monde, hein. Quand même. Hop. Triple tuerie. Je suis à deux doigts de piquer la crise de colère du siècle. Je suis occupé. T'en rends peut-être pas compte, mais personne je suis occupé. Ne regrettera ces quelques beaux temps moins. Bon, j'équipe ça. D'accord, ça c'est pour garder et revendre. Ok. On a dépassé le niveau 5, on est d'accord. Donc voilà. Alors, ça c'est quoi? Ok, pourquoi pas. Lui il m'attaque, mais j'en ai rien à cirer. Ah! Cassez-vous! C'est quoi la quête d'impression? Détruire quoi? D'accord. Vaincre le petit machin quoi? D'accord. Ok. Voilà, vendu. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, Teddy. Casse-toi, Teddy. Parfait. Non, il l'a buté. Ils l'ont buté. Bon, on n'a plus qu'à attendre le prochain. Who's next? Ok, toi t'es là, encore. Et boum! Alors, où est-ce qu'il est l'autre trou du cul? Encore un coup. Encore un coup. Mais c'est où qu'il est ce putain de robot? Ça bien s'il pouvait pop, ça y est. Hop. Bouf. Succès obtenu. Plus ils sont gros. Et il m'a rien donné du tout, hein. C'est cool. Ok. Yo. Ok, si tu le dis. Faut que je remonte absolument à l'intérieur du vaisseau tout de suite, là. Alors, ici.
Oh bah on y va hein. Yo. Hello. Heureux, chers amis. Alors un petit instant. Hop, on y retourne. On va finir l'épisode quand même. Voilà. Voilà, c'est là qu'on en était. On avait chopé le truc. Ok, fallait qu'on rentre dans le vaisseau. Et qu'on coupe cette machine. Quitter la baie pour aller bar. Oui. Hop. Stylé. J'aurais préféré partir par n'importe quel autre moyen, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans l'urgence. Ouais, je trouve stylé, moi, ce vaisseau. Je dirais que c'est ah. Ton idée. D'accord, c'est un des trucs d'exilé. Bon, bah écoute, excuse-moi. C'est vrai que ça ressemblait pas trop au style qu'on avait nous à la base. La mission bon, bah voilà, vous voulez absolument finir l'épisode comme ça. Bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, j'espère que ce jeu vous plaît. A plus pour votre aventure, salut les gens. Mouais. C'est pas terrible ça par contre, hein. Ça fait un peu rafistolé. Hein.